lors de la migration. Mais en prenant le modèle de la cigogne, de nouveau, il nous fait réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'une migration, qu'est-ce que c'est de migrer quand on est obligé, qu'est-ce que c'est de migrer quand on en a envie, qu'est-ce que c'est que le voyage contraint et le voyage choisi. Il est dans l'œuvre, il est à l'intérieur même de l'œuvre, et l'œil, à la fois, il nous regarde et nous, on le voit. Et c'est aussi un autoportrait de l'artiste aujourd'hui. Oui, oui. C'est beaucoup plus universel que son propre autoportrait. Même s'il si oui. a mis l'huile de lui-même oui. dans le choix des mots, etc. J'ai pas pensé à ça, mais. C'est l'outil, oui. c'est l'outil-là oui. de l'artiste. C'est opératif et spéculatif. Oui. C'est ça. C'est une belle pièce. La sculpture en elle-même, elle est magnifique, et la manière dont on se voit les uns les autres à travers cette sculpture, mais c'est vraiment une œuvre qui parle de cette manière de sidérer, de cette manière qu'a l'argent de sidérer le monde. Ça, donc, tu vas vendre concrètement. Tu vas détacher chacun. C'est-à-dire que concrètement, oui, je pense... Alors, bon, ça dépend. Pour l'instant, la question s'est pas posée. Mais voilà. On va réfléchir si c'est une institution, oui. on décroche le support blanc, mm-hmm. d'accord, et on emballe ça le plus délicatement du monde, sans en enlever un seul, d'accord, le tissu avec, la photo, et vous la réinstallez comme ça. Mm-hmm. Maintenant, si quelqu'un... Oui, bien sûr, évidemment. Même si tu gardes l'objet, évidemment. Il y a un certificat pour montrer que... Montrer que, c'est oui, est signé par Mounir. Tous les certificats de Mounir sont signés par Mounir Fatmi et préparés par le sur une pièce comme ça, c'est plus le certificat que la pièce elle-même qui voilà. finalise. Mais, donc, vous avez aussi, chez Mounir Fatmi, vous verrez ces autres pièces en haut, vous avez aussi des œuvres très douces. Ça s'appelle matière blanche. Et évidemment, tu avais immédiatement reconnu la matière blanche, où c'est la myéline qui donne la couleur blanche. Je veux dire, on est dans le cerveau, là. On est dans le cerveau. Et si vous vous approchez suffisamment près, vous allez voir que c'est fait sur du papier de verre. Ce qui donne quelque chose d'extraordinaire, que malgré les barrières, malgré les divisions, en fait, on arrive à se connecter. Du cinéma jusqu'à preuve du contraire, entre Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, et là aussi il a fait une grande série de photographies, de travaux d'œuvres à partir de ce baiser. Et puis vous avez par-dessus, oui, je suis désolée pour la qualité de l'éclairage en France, c'est une des imperfections qu'il va falloir, sur lesquelles il va falloir, je travaille, c'est constamment en... Ça va déjà mieux. Et en fait, par-dessus, Mounir Fatmi utilise ces symboles géométriques favoris qui sont d'une part le cercle et d'autre part la ligne pour parler en fait de la tangente. Il a fait tout un travail sur quand on s'embrasse, en fait c'est comme deux cercles avec une tangente, et donc il génère une sorte de mesure scientifique du degré du désir et du degré de l'émotion. Et ça, c'est un travail qui a donné lieu à un livre, c'est un travail qui a donné lieu à de multiples travaux, donc ça fait partie d'une des grandes séries de Mounir Fatmi, même si vous me direz, mais qu'est-ce que ça fait dans une exposition de dessin? Eh bien, en fait, il a dessiné les cercles. Vous voyez que les racines, il les a vraiment dessinées comme des neurones. Et puis ici, pour cette famille italienne, il a dessiné plusieurs types de racines, il a même fait un collage supplémentaire. Du coup, je termine juste avec ces œuvres.
parce que ils sont exceptionnels aussi. Hein, parce que c'est sympa de finir sur quelque chose de léger, de drôle, d'ironique, du côté très très de la dérision avec laquelle aussi Mounir regarde notre monde. Nous, en général, quand on achète un magazine, ben on l'ouvre et on le lit comme ça. Mais en fait, Mounir, il fait juste ça. Et donc, il lit le magazine en regardant la première et la dernière page de couverture ensemble. Alors évidemment, ensuite, il fait une sélection. Heureusement, il y a Louis Vuitton. Quand même, ça me sauve. Et tu vois, on a Michel Foucault, ce philosophe qui valait 3,8 millions. Mais heureusement, on a le iPad Air. Ça coûte un peu moins cher que Foucault. Donc, vous avez en fait le choix. Et puis, ces deux-là sont sublimes parce que questions et réponses sur l'existence de Dieu, et bien Dieu le montre, c'est Chanel numéro 5, et plus encore, la Bible, les évangiles, le Coran, leur vrai message, maintenant nous le savons, et bien il est inévitable, c'est Chanel numéro 5. Non, mais c'est tout. Mais ça paraît, je veux dire, est-ce que les éditeurs de ces canards-là, ils se posent la question, j'ai ça en quatrième. Qu'est-ce que je vais mettre en première? Pardon? Alors, moi je travaille un peu dans la presse à l'époque, quand un magazine fait un sujet, ils vendent de la pub avec un chemin de fer, et on sait déjà quelle va être la première de couve. Donc, en effet, c'est vrai que les publicitaires ont aussi la capacité d'interagir, pourquoi pas, avec la première de couve. C'est pas impossible. L'or, c'est extraordinaire parce que c'est dans la peinture primitive italienne. C'est la chute avec Angelico, cette capsule d'or. C'est la pub la plus chère. Et la quatrième, c'est la pub la plus chère aussi. Donc forcément, oui, ils connaissent. C'est pas impossible qu'il y ait aussi des petits liens qui se. C'est drôle.